Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts de Mayang Breton, les podcasts qui traitent de sujets humains comme le développement personnel, la psychologie, la petite enfance. Cet épisode fait partie d'une série de questions-réponses qu'on peut se poser autour de sujets lorsqu'on est professionnel de la petite enfance. Et plus précisément, des questions qui peuvent très bien être posées lors de l'examen de CAP, AEPE, EP1, petite enfance. Il s'agit du deuxième épisode, il sera découpé en deux parties. Aujourd'hui, les questions-réponses vont être sur l'activité de pâte à modeler. Dans la première partie, je vais vous poser les questions et pour chaque question, il y aura un petit blanc parce que ça vous permettra de vous tester à répondre, ça vous permet de mobiliser votre énergie pour réfléchir et faire fonctionner vos méninges. À la fin de chaque blanc, je vous propose de mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour répondre car je vais enchaîner les questions. Parce que je sais aussi que certains ont envie de s'entraîner et c'est une bonne chose pour pouvoir gagner en confiance et confirmer aussi votre capacité à restituer vos connaissances. Bien sûr, dans la deuxième partie, je pose de nouveau chaque question, mais cette fois, elles sont suivies des réponses. Je mets dans la description la minute exacte de cette deuxième partie pour ceux qui veulent aller directement aux questions-réponses. J'aime à préciser qu'il s'agit de propositions de réponses qui sont basées sur ma formation de professionnelle de la petite enfance. J'espère que cette formule vous conviendra. Surtout, c'est très important pour moi que vous notiez des commentaires positifs sur ce que vous avez aimé dans cet épisode de podcast et puis de liker et de vous abonner. Alors, on y va pour la première partie avec seulement les questions autour de l'activité de pâte à modeler. Question 1. L'activité pâte à modeler convient à partir de quel âge ? Je vous invite à faire pause, je vais passer à la deuxième question. Question 2. Que faire si un enfant met de la pâte à modeler dans la bouche ? Je vous invite à faire pause, je vais passer à la troisième question. La pâte à modeler du commerce est-elle dangereuse pour la santé? Je vous invite à faire pause, je vais passer à la quatrième question. Comment terminer l'activité pâte à modeler? Pour cette question, il y a besoin d'un temps plus conséquent, donc je vous invite à faire pause aussi, parce que je vais passer à la cinquième question. Terminez donc de répondre, mettez pause. Question 5. Que favorise l'activité pâte à modeler pour l'enfant ? Je vous invite à faire pause. Si vous n'avez pas terminé de répondre, je passe à la sixième question. Question 6. À quel moment de la journée faire l'activité de pâte à modeler ? Je vous invite à faire pause pour terminer de répondre. Je passe à la question suivante. Question 7. Pourquoi il est préférable de créer des pâtes à modeler sans gluten ? Également, je vous invite à faire pause. Question 8. Comment préparer de la pâte à modeler, pâte à modeler sans gluten ?
Question 9. Comment adapter une activité de pâte à modeler en fonction de l'âge et des besoins des enfants? Donc vous pouvez mettre pause pour terminer de répondre. Et enfin, question 10. Quelles sont les consignes de sécurité importantes à suivre lors de l'utilisation de la pâte à modeler avec de jeunes enfants? Je vous invite donc à mettre pause pour terminer de répondre. Voilà. Vous êtes arrivés à la deuxième partie de cet épisode où nous allons avoir les questions avec les réponses. J'ai beaucoup de plaisir à transmettre et à force de faire et de m'améliorer, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces podcasts et je vous donne la possibilité ainsi de réviser et de vous entraîner. Je vous demande un peu comme une monnaie d'échange de liker et de vous abonner et aussi de liker et vous abonner à une autre chaîne. Donc il s'agit de ma chaîne musicale artistique Lucy on Mic, qui est un projet artistique humaniste. Vous pouvez retrouver le lien en haut à droite pour accéder directement à la chaîne si vous êtes sur YouTube ou dans la description du podcast. D'ailleurs, après chaque moment de révision, je vous conseille d'écouter de la musique, de vous détendre pour reposer le cerveau afin qu'il soit efficace. Faites de la révision accompagnée de moments de pause, de musique. Et ça, c'est un conseil sérieux car je suis également formée dans des techniques de Gestalt où on prend soin de soi, de son corps et de son cerveau. Alors, les questions-réponses. Question 1. L'activité pâte à modeler convient à partir de quel âge? Il y a deux éléments principaux à prendre en compte pour répondre à cette question. Le premier élément, c'est l'origine de la pâte à modeler. Le deuxième élément, c'est le stade de développement de l'enfant. En prenant en compte l'origine de la pâte à modeler, s'il s'agit d'une pâte à modeler du commerce, alors il est bien de vérifier les annotations de sécurité et généralement c'est à partir de 3 ans qu'un enfant peut utiliser ce type de pâte à modeler. S'il s'agit d'une pâte à modeler que j'ai créée moi-même avec des produits alimentaires, farine, sel, eau, huile et des colorants alimentaires adaptés pour les tout-petits, alors la pâte à modeler peut être utilisée par les enfants plus tôt. Pour ce qui est du deuxième élément de réflexion, c'est-à-dire le stade de développement de l'enfant, un enfant qui se tient déjà assis pourra déjà manipuler dans ses mains de la pâte à modeler avec des composants 100% alimentaires dès 1 an et demi, 2 ans, pour l'intérêt du toucher, pour la dextérité et l'expérience sensorielle, tout en étant bien surveillé, parce qu'il est important que l'enfant ne mette pas à la bouche le produit, même s'il est 100% alimentaire. Et ça, c'est plutôt pour éviter des étouffements. Je rajoute qu'il est aussi intéressant de fabriquer la pâte à modeler avec l'enfant pour les étapes de transvasement de la farine, de verser le sel, de mélanger aussi ensemble, par exemple. Question 2. Que faire si un enfant met de la pâte à modeler dans la bouche ? La première chose étant d'éviter le risque de mettre de la pâte à modeler dans la bouche, notamment lorsqu'il s'agit de pâte à modeler du commerce. Donc sur toute activité et l'activité pâte à modeler entre autres, je reste auprès de l'enfant et oralement je l'informe que la pâte à modeler reste pour les mains. S'il tente de la mettre à la bouche, je lui informe qu'il est interdit d'en manger. S'il a quand même réussi à mettre dans la bouche, je lui demande de recracher. Et puis, d'étape en étape, on espère en tout cas ne pas utiliser la méthode Heimlich, mais voilà, c'est quand on va au bout du processus. Question 3. La pâte à modeler du commerce est-elle dangereuse pour la santé?
La pâte à modeler du commerce est généralement considérée comme non toxique en fait, et sans danger pour la santé lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions. Cependant, il est important de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent avec de la pâte à modeler, car il est toujours possible qu'ils essayent de la manger. Il est préférable de consulter les informations fournies par le fabricant. Question 4. Comment terminer l'activité pâte à modeler? Quand les enfants commencent à être un peu agités, qu'ils montrent des signes de lassitude, il est bien de leur dire clairement que l'activité va bientôt s'arrêter. Ensuite, je leur propose de ranger l'activité avec moi afin de clôturer l'activité ensemble et aussi pour que les enfants assimilent bien la fin de l'activité. Il est bien aussi d'instaurer le rituel du lavage des mains juste après, comme après chaque activité. Ensuite, de mettre en sécurité les enfants afin que je puisse nettoyer l'espace d'activité. Question 5. Que favorise l'activité pâte à modeler pour l'enfant? C'est une activité qui favorise l'imagination et aussi l'autonomie, ainsi que la motricité fine, la dextérité, par l'utilisation d'outils comme des couteaux en plastique, des moulages, entre autres, qui sont spécifiques pour la pâte à modeler. C'est aussi une activité qui va favoriser l'expérience sensorielle, entre autres. Question 6. À quel moment de la journée faire l'activité de pâte à modeler? C'est une activité lorsqu'on est professionnel de la petite enfance qui est préférable d'instaurer le matin, une fois qu'on a accueilli tous les enfants et qu'il y a eu aussi un moment rituel comme la lecture d'histoire pour rassembler les enfants. C'est le moment opportun parce que l'après-midi, les enfants ont besoin de faire la sieste et l'enfant sera plus apte le matin à être éveillé, à être disposé à créer, imaginer, toucher, manipuler avec la pâte à modeler. Question 7. Pourquoi il est préférable de créer des pâtes à modeler sans gluten? D'abord, à cause de la sensibilité au gluten. Certains enfants peuvent être sensibles au gluten, alors l'exposition au gluten par la peau ou par l'ingestion accidentelle en touchant la pâte à modeler ou en l'emportant à la bouche peut causer des réactions indésirables. Ensuite, par principe de précaution, étant donné que les jeunes enfants ont souvent tendance à mettre leurs mains et objets à la bouche, il est préférable de prévenir tout risque d'ingestion de gluten potentiellement nocif. Voilà, donc ça c'est quand on ne sait pas si l'enfant a une allergie au gluten. Voilà. Pour ces raisons, il est recommandé d'utiliser une pâte à modeler sans gluten lors d'activités impliquant des enfants, en particulier ceux souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires. Question 8. Comment préparer de la pâte à modeler sans gluten? Le gluten se trouve notamment dans des farines de blé ou d'orge, par exemple. Alors nous pouvons remplacer cette farine par de la farine de riz, de la farine de maïs. Question 9. Comment adapter une activité de pâte à modeler en fonction de l'âge et des besoins des enfants? Adapter une activité de pâte à modeler en fonction de l'âge et des besoins des enfants permettra de favoriser un développement adapté à chaque enfant. Cette adaptation peut se faire à plusieurs niveaux, notamment sur le choix des outils, des matériaux. Pour les tout-petits, moins de 3 ans, je privilégie des outils faciles à manipuler et de grande taille pour éviter les risques d'étouffement. J'utilise des couleurs vives pour stimuler l'intérêt des enfants. Pour les enfants d'âge préscolaire, donc à partir de 3 ans, je propose des outils plus complexes et variés comme des emporte-pièces, des rouleaux à pâtisserie pour développer leur motricité fine. Je précise quand même que quand je dis à partir de 3 ans, parfois c'est 2 ans et demi, voilà, selon l'avancée, le développement de l'enfant. Adapter l'activité de pâte à modeler selon l'âge peut se faire également sur le niveau suivant.
Il s'agit des thèmes et des directives. Pour les tout-petits, je propose des activités de manipulation libre où je vais encourager principalement l'exploration sensorielle. Et pour les enfants plus âgés, je vais introduire des thèmes spécifiques ou des défis créatifs pour stimuler leur imagination et leur concentration. Par exemple, je vais proposer de créer un long boudin ou une belle boule, par exemple. Ensuite, l'adaptation dans cette activité de pâte à modeler se fait aussi au niveau de la supervision. Les tout-petits auront besoin d'une surveillance étroite pour s'assurer qu'ils n'ingèrent pas la pâte à modeler. Les enfants plus âgés peuvent être encouragés à jouer de manière plus autonome avec une surveillance occasionnelle, mais en tout cas toujours présente de loin, mais occasionnellement proche, pour fournir de l'aide ou des conseils aux besoins. Enfin, autre possibilité d'adaptation dans cette activité, c'est l'adaptation individualisée. Je tiens compte des besoins spécifiques de chaque enfant, tels que des allergies alimentaires ou des sensibilités, en choisissant des recettes adaptées de pâte à modeler. J'offre un soutien supplémentaire aux enfants ayant des difficultés motrices ou sensorielles en adaptant les activités en conséquence. Question 10. Quelles sont les consignes de sécurité importantes à suivre lors de l'utilisation de la pâte à modeler avec de jeunes enfants? Lorsque je fais l'activité de pâte à modeler, il est important de suivre les consignes de sécurité qui concernent notamment la surveillance. Je m'assure d'être auprès d'eux en gardant une vigilance attentive pendant que les enfants jouent avec la pâte à modeler pour éviter tout risque d'ingestion ou de comportement inapproprié. Les consignes de sécurité vont concerner aussi la sensibilité aux allergies. Je m'informe des éventuelles allergies alimentaires des enfants et j'utilise des recettes de pâte à modeler adaptées pour éviter tout contact avec des ingrédients allergènes. Toujours pour la sécurité, je mets un point de vigilance sur l'ingestion. Il faut l'éviter. Je rappelle aux enfants qu'ils ne doivent pas mettre la pâte à modeler dans leur bouche. Je surveille particulièrement les tout-petits qui ont tendance à explorer le monde avec leur bouche. Toujours un point de sécurité et d'hygiène, je leur demande de bien se nettoyer les mains. Avant et après avoir manipulé la pâte à modeler, j'encourage les enfants à se laver soigneusement les mains pour éviter le transfert des germes et des saletés. Je m'assure que les enfants ne manipulent pas la pâte autour des yeux, du nez ou de la bouche pour éviter toute irritation ou réaction allergique. Enfin, j'utilise des matériaux sûrs. Je veille à ce que les outils et les matériaux utilisés avec la pâte à modeler soient adaptés à l'âge des enfants et ne présentent aucun danger de blessure. Voilà pour cette série de questions-réponses. Donc il y a des questions qui sont un peu plus... qui demandent des réponses plus fournies. Certaines réponses vont se ressembler. Mais voilà, je me suis dit que de toute façon, il peut y avoir plusieurs manières de poser des questions lorsque vous serez face au jury. Donc, il faut imaginer qu'on vous pose seulement deux ou trois questions, hein, parmi les questions que je vous ai posées. Voilà, c'est des idées de questions. Eh bien, je vous souhaite en tout cas de très bonnes révisions, de la réussite. Et puis, voilà, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à faire un tour aussi sur la chaîne Lucie on My. Je me suis donc relevée, je me suis donc... Un projet artistique humaniste que je porte, voilà, qui fait partie de mes passions, entre autres, avec aussi le projet des podcasts. Voilà. Pour les questions sur le lavage des mains, eh bien, je vous invite à cliquer sur en haut à droite ou dans la description du podcast si vous êtes simplement à l'écoute
sur Spotify ou d'autres plateformes musicales comme Deezer, Amazon Music, etc. Eh bien, bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt sur les podcasts de Mayang Breton.